Bonjour à tous et à tous les amis, c'est WarJoker, on se retrouve sur la Aria Clan pour une toute nouvelle vidéo et je peux vous dire que ça fait vraiment super plaisir de vous faire ce nouveau top 5 aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est vraiment super cool de vous commenter parce que vous nous avez vraiment envoyé des clips de folie. Donc on se retrouve tout simplement à la 5ème place avec vraiment un clip qui a défoncé, il les a vraiment ridiculisés. Il est allé dans le spawn ennemi, donc c'est Real O3OM O3S63. Donc j'ai vraiment eu du mal à prononcer ton pronom, donc excuse-moi. Il nous réalise deux quad feed brock, donc c'est vraiment dommage qu'elle soit brock parce que sinon c'était vraiment un très très joli gameplay. À la 4ème place, c'est vraiment avec un clip de porc, donc c'est été réalisé par Clayzer qui nous a réalisé une quad feed. Donc il fait vraiment beaucoup d'enchaînements toute la partie. J'ai pas pu tout mettre, mais en une minute il nous a fait il avait mis une minute où il avait fait deux fois la quad feed. Donc j'ai mis que la meilleure parce que je trouvais que c'était un petit peu trop long. À la 3ème place, on se trouve vraiment avec un clip de folie. Donc bien joué à toi, poto. T'avais vraiment fait un clip magnifique. Donc tu nous as réalisé une petite single par-ci par-là. Ben, c'est encore Clayzer qui nous a réalisé un P06. Il nous a fait la quad feed. Donc je peux vous dire que ce mec est vraiment très chaud au sniper, donc n'hésitez vraiment pas à les féliciter dans l'espace des commentaires, ça me ferait super plaisir. À la 2ème place, on se retrouve vraiment avec encore un clip de folie, et je peux vous dire que celui-là c'était un de mes préférés, parce qu'il était au P06 et j'adore cette arme. Donc c'est Warrior du 76 qui nous réalise déjà une petite single de chaque côté, et ensuite il nous réalise une double. Donc voilà, il rush dans le spawn et hop, il nous fait plusieurs quads, donc il maintient la quad, et c'est vraiment un très très joli clip. À la première place, c'est vraiment mon clip préféré celui-là, c'est pour ça que j'ai mis à la première place, donc je te félicite vraiment beaucoup. La triple headshot, et je peux vous dire que je vais mettre sa petite réaction live parce que ça va aller vraiment le coup. On avait fait la première mission de préparation. Regarde. Triple shot, triple shot, triple shot, triple shot, triple shot, triple shot. Triple shot les gars, triple shot. Donc voilà, j'espère que ces petits top 5 vous a plu. En tout cas, je vais vous dire un petit peu les raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup d'activité en ce moment sur la Clan. Déjà, la première raison, c'est que Telium n'a pas de PC, donc son PC en réparation. Il va bientôt en avoir un nouveau, donc je pense que vous êtes au courant parce que ça fait vraiment pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo. On en fait une tous les deux jours, donc c'est vraiment très très dur de tenir le rythme. Et je vais vous dire que lui, il est un petit peu dégoûté, il se sent vraiment impuissant face à cette situation parce qu'il ne peut pas donner les codes ou mettre admin quelqu'un. C'est vraiment trop compliqué avec tous les hacks, tous les trucs qu'il y a eu dans la perf. Donc on peut pas vraiment faire confiance à tout le monde. Donc prenez-le, n'hésitez vraiment pas à mettre 500 likes, on vise des 500 likes pour ce nouveau top 5, hein, parce que c'était vraiment, j'ai vraiment eu du plaisir à commenter pour ce top 5, donc n'hésitez vraiment pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait vraiment super plaisir. J'avais oublié de vous dire, excusez-moi les gars, envoyez de nouveaux clips, ça nous ferait vraiment super plaisir. Allez, je vous laisse, allez, peace tout le monde.